Aurobindo était là depuis le matin jusqu'au soir. Mais là, n'est-ce pas? Pendant plus d'une heure, il m'a fait vivre comme la vision concrète et vivante de la condition de l'humanité des différentes couches d'humanité par rapport à la création nouvelle au supramental. C'était merveilleusement clair et concret et vivant. Il y avait toute l'humanité qui n'est plus tout à fait animale, qui a bénéficié du développement mental et qui a créé une certaine harmonie dans sa vie, une harmonie vitale et artistique, et littéraire, et dont la grande majorité vivent satisfaits de vivre. Ils ont attrapé une sorte d'harmonie et vivent là-dedans la vie telle qu'elle existe dans un milieu civilisé, c'est-à-dire un peu cultivé, n'est-ce pas, avec des raffinements de goût, des raffinements d'habitude. Toute cette vie constitue une sorte d'harmonie dans laquelle il se trouve à l'aise, et à moins qu'il leur arrive quelque chose de catastrophique, ils vivent heureux et contents, satisfaits de la vie. Cela peut être parce qu'ils ont du goût, n'est-ce pas? Ils sont développés intellectuellement. Ils peuvent être attirés par les forces nouvelles, les choses nouvelles, la vie future. Par exemple, ils peuvent devenir des disciples de Sri Aurobindo mentalement, n'est-ce pas, intellectuellement. Mais ils ne sentent pas du tout besoin de changer matériellement. Et si on forçait ça sur eux, ce serait d'abord prématuré, injuste, et ça créerait tout simplement un grand désordre. Ils troubleraient leur vie tout à fait inutilement. Ça, c'était très clair. Et puis, il y avait les quelques-uns, rares individus, les quelques-uns qui sont prêts pour faire l'effort nécessaire pour la préparation de la transformation et pour attirer des forces nouvelles, essayer d'adapter la matière, chercher les moyens d'expression, etc.
ceux-là sont sans qui sont prêts pour le yoga, Sri Aurobindo. Ils sont très peu. Et pour eux, même il y a ceux qui ont sens du sacrifice et qui sont prêts à avoir une vie dure, pénible, pourvu que, n'est-ce pas, ça mène ou ça aide à cette transformation future. Mais il ne faudrait d'aucune manière qu'ils essayent d'influencer les autres et d'essayer de leur faire partager leur propre effort. Ce serait tout à fait injuste, et non seulement injuste, mais extrêmement maladroit, parce que ça changerait le rythme et le mouvement universel, ou tout au moins terrestre, et au lieu d'aider, ça produirait des conflits et ça résulterait dans un chaos. Mais ça, c'était si vivant, si réel, que toute mon attitude, comment dire, une attitude passive, c'est-à-dire une attitude, pas le fait d'une volonté active, mais le fait d'une, n'est-ce pas, la position prise dans le travail a changé. Et ça a amené une paix, n'est-ce pas, une paix, une tranquillité, une confiance, tout à fait décisif comme changement. Même ce qui, dans la position précédente, paraissait être de l'obstination, de la maladresse, de l'inconscience, de toutes sortes de choses déplorables. Tout ça, ça a disparu. Ça a disparu. C'était comme la vision d'un grand rythme universel où chaque chose prend sa place et c'est tout à fait très bien. Et l'effort de transformation réduit à un petit nombre devient une chose beaucoup plus précieuse et beaucoup plus puissante pour la réalisation. C'est comme un choix qui a été fait pour ceux qui seront les pionniers de la création nouvelle. Et ce n'est pas du tout toutes ces idées, n'est-ce pas, de répandre, de préparer, de barater la matière, des enfantillages. C'est la dictation humaine. La vision était, n'est-ce pas, d'une beauté tellement majestueuse et calme et souriante. C'était plein de, vraiment de l'amour divin. Et pas un amour divin qui pardonne. Il ne s'agit pas de ça du tout. Chaque chose à sa place et réalisant son rythme intérieur aussi parfaitement qu'il peut. Ça a été un très beau cadeau.